Bien. Dans La France Bouge, on aime prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de La France Bouge. La France Bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Nicolas Schweitzer. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de La Vie, c'est de la charcuterie 100% végétale. Donc avec vous, on peut manger des lardons, du bacon, sauf que c'est végétal. Vous étiez venu dans La France Bouge sur Europe 1 il y a 2 ans, ça venait d'être créé. Tout à fait. Hein ? Ouais. Donc depuis 2 ans, vous avez développé des nouveaux produits. Je crois que vous êtes agrandi. Quand vous étiez venu, vous étiez une petite vingtaine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 65 au siège et on a une centaine d'opérateurs qui travaillent pour nos partenaires de production. Et que s'est-il passé alors depuis 2 ans ? Beaucoup de choses. On a lancé une douzaine de pays. On a un partenariat avec Burger King, donc on est désormais dans la plupart des Burger King européens, et c'est nous qui fournissons par exemple le bacon végétal de leur offre. Ah ouais, donc vous avez bien, vous êtes bien développé. Oui, on est beaucoup de chance. André Terrail, vous êtes le propriétaire de la Tour d'Argent. Il y a du végétal dans les assiettes de la Tour d'Argent ? Bien sûr, on a une offre végétarienne qui est importante. Après, on essaie de rester fidèle un petit peu à notre film. Mais du végétal, je veux dire, des alternatives à la viande ? Bien sûr, ouais. Alors des alternatives à la viande, on a un petit peu de mal, il faut l'admettre, sur ces produits de substitution pour l'instant. Je pense qu'on n'a pas, nous on a l'impression qu'on n'a pas encore la profondeur ou la... Le recul nécessaire. Après, je vais vous dire la vérité, je ne suis absolument pas un expert. Donc parce que vous, la viande. Oui, le canard. On a très très belles recettes, le potage Germini. On a des très très jolies, choses qui n'ont des très très belles recettes qui n'ont que des produits végétariens. Nicolas Schweitzer, donc vous êtes le cofondateur de La Vie. Donc c'était des lardons, et là je vous êtes en train de lancer le jambon végétal. Exactement. Vous avez le droit de l'appeler jambon. Et vous avez le droit de l'appeler jambon. Pour l'instant, on a tout à fait le droit de l'appeler jambon végétal. Luc ? Oui, c'était ma question, parce que on entend parler d'une loi qui interdirait d'appeler tout ce qui est végétal, de prendre le steak végétal interdit, le bacon végétal interdit. Comme les végétaux, hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc c'est effectivement un projet de décret que le gouvernement vient de soumettre à l'Union européenne. Et il se trouve que c'est à peu près le même décret qui avait été soumis il y a 1 an et demi. Contre lequel on s'était bien entendu battu, puisque on tient à pouvoir utiliser les dénominations animales pour que les consommateurs puissent se projeter facilement sur pour les attirer. Ce que sont nos produits. Oui, voilà. Enfin, typiquement, si je vous donne un paquet de lardons végétaux, vous allez tout de suite penser flamencuche, carbonara, etc. Si je vous donne des morceaux de soja ou de pois, ouais. C'est plus compliqué de se projeter. C'est moins vendeur. Ouais. Mais vous avez entièrement raison. Et comme dans le fond, il n'y a absolument aucun risque de confusion des consommateurs, hein, ceux qui n'ont pas vu nos packs, je vous encourage à le faire. Et il n'y a pas le moindre risque de confusion. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il n'y a aucune confusion possible entre les offres végétales et animales. C'est très clairement et uniquement une manœuvre des lobbies de la viande qui est assumé, hein, pour essayer de... Chacun défend son bout de gras sans genou. Hein, c'est normal. Et en plus de ça, vous vous êtes développé à l'international. Je crois que maintenant, vous êtes présent dans plus d'une dizaine de pays en Europe. Exactement. On a principalement ouvert les pays grâce à Burger King, qui nous a emmenés à chaque fois dans différents pays. Et ensuite, on développe l'offre auprès des supermarchés. Merci Nicolas Schweitzer, vous êtes le cofondateur de La Vie, les lardons. C'est déjà la fin de cette France qui bouge dans la gastronomie.